Bienvenue sur GDN une production de GEN TV+, je suis Martial Baumot, les dirigeants de l'OTAN inviteront l'Ukraine à rejoindre l'Alliance militaire. Lorsque les alliés seront d'accord et que les conditions seront remplies, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à la presse mardi, alors que l'OTAN entame son sommet annuel dans ce pays balte. Les commentaires de M. Stoltenberg sont intervenus après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué les dirigeants de l'OTAN. Dans un tweet, il a déclaré que des formulations sont discutées sans l'Ukraine, et qu'elles n'apportent que peu de clarté sur les perspectives d'adhésion de son pays à l'Alliance, en référence apparente à un projet de texte qui a circulé. Kiev souhaite obtenir des engagements précis sur la date et les modalités de son adhésion à l'Alliance de défense. Voici ce qu'il faut savoir. Bien que M. Stoltenberg ait déclaré mardi que l'OTAN envoyait un message à l'Ukraine, qui est plus fort que tout autre message que l'OTAN a jamais envoyé auparavant, sur l'adhésion de l'Ukraine, M. Zelensky a déclaré que toute formulation qui n'inclurait pas un calendrier pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait absurde. La délégation américaine a été furieuse du tweet de M. Zelensky, selon une personne au fait de la situation qui a parlé sous le couvert de l'anonymat en raison de considérations diplomatiques délicates. Le président Biden rencontrera M. Zelensky lors du sommet, a déclaré mardi à la presse le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. La veille du sommet, la Turquie a abandonné son opposition à la candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN, ouvrant ainsi la voie à l'inclusion de Stockholm en tant que 32e État membre de l'organisation, ce qui a donné un coup de pouce à l'Alliance. Ce sommet est déjà historique avant même d'avoir commencé, a déclaré M. Stoltenberg tôt mardi. Si vous aimez ce contenu, aimez-le et partagez-le. Plus importante encore, abonnez-vous à notre page pour en savoir plus.